On voit que la campagne de vaccination en Nouvelle-Calédonie commence à s'essouffler. Il faut donc réadapter notre offre de vaccination auprès des populations. L'objectif, c'est vraiment d'apporter une solution au plus près des habitants, d'apporter la vaccination presque chez les gens. Il y aura une opération spéciale aujourd'hui. On aura une équipe de la DAS qui va se déplacer dans les appartements pour pouvoir vacciner ces personnes qui le souhaitent mais qui ne peuvent pas se déplacer. J'ai à souligner cet élan de solidarité qui est apparu des habitants de ce quartier. Il y a aussi des jeunes qui sont là pour aider à orienter les populations qui viennent se faire vacciner. L'effort qui est fait ici, intergénérationnel, entre les habitants des tours de Magenta pour faire vacciner le maximum de personnes ici. On a perdu des gens qui sont très proches de nous, de vraies familles, et d'autres familles aussi, hein, ils ont perdu des très proches. Et là, nous sommes ensemble là pour essayer de montrer que voilà, ben maintenant, la seule solution, c'est d'aller faire le vaccin. C'est très difficile, mais voilà, il faut gérer. Si vous m'entendez, ne regardez plus à droite ni à gauche, allez vers le vaccin. Je ne savais pas vraiment ce que c'était en fait le vaccin. Il y avait quoi à l'intérieur? Les gens ils hésitent, moi c'est pareil, je fais partie des gens qui hésitent. Et pour ça, à chaque fois je suivais les infos en fait. Tout ce qui se dit sur les réseaux aussi, je suis un peu partout, parce qu'il faut que je sois fixé par rapport au vaccin. J'ai eu l'occasion une première fois il y a 2 semaines de faire le vaccin, je ne l'ai pas fait. J'allais rentrer pour le faire et à un dernier moment je suis sorti. Quand tu regardes tout ce qu'il y a en ce moment, pendant la crise de maintenant, tu vois tous les morts, tu vois tous ceux qui rentrent à l'hôpital, tu vois tous les cas positifs. Là, tu te dis qu'en fait, au moins, tu es protégé. Tu sais que tu peux combattre le virus si tu l'attrapes. Chez moi, voilà, je suis avec on vit en communauté, mes parents, les amis, la famille. Du coup, tu penses à toi. Tu veux te protéger, tu protèges ta famille pour pas qu'il y ait des morts chez toi. Parce qu'après, la responsabilité, ça vient de toi. Si un jour, mes parents, ils attrapent la maladie à cause de moi. C'est très important dans le sens où il y a beaucoup de gens qui sont dans les tours et qui n'ont pas la possibilité d'aller déjà en moyen de locomotion. Ça, c'est d'une part. D'autre part, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui hésitent encore. Ils hésitent. Et le fait d'être là et de voir des frères ou des cousins aller se faire vacciner, ça les encourage, ça les motive. Ben moi, je suis pasteur, je vois sur Internet qu'il y a beaucoup de tendances religieuses qui sont contre le vaccin. Moi, je ne comprends pas. Chacun ses compétences. Voilà, je ne suis pas docteur. Moi, je ne peux qu'obéir parce qu'eux, ils sont là aussi. C'est des gens compétents, donc il nous suffit simplement d'obéir. Voilà.